Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo d'un cours de pilates intermédiaire. On va faire un échauffement assis pour commencer. Pied contre pied, les talons bien placés loin du pubis. Vous relâchez complètement les bras à l'intérieur des deux jambes. Prenez le temps de décontracter le bas du ventre, les épaules, la tête. Faites des grandes respirations profondes par les narines, jusque dans le ventre, dans les côtes. Sur l'inspiration, cherchez à allonger la colonne vertébrale par le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. À l'expiration, tu relâches un peu plus bas. Et encore, inspire pour grandir. Pousse le sommet de la tête loin du coccyx. Et à l'expire, tu relâches complètement. Et une dernière fois. Déroulez complètement la colonne vertébrale, main ici au niveau des genoux. À l'expire, tu passes en arrière des ischions, regarde vers le centre, arrondi bas du dos. Et à l'inspire, tu étires, tu grandis, tu creuses légèrement bas du dos. Et encore, à l'expire, arrondi bas du dos. À l'inspire, ouvre les côtes, creuse légèrement les lombaires. Une dernière fois. Et inspire. Tu viens de placer ici sur les ischions pour avoir le bassin en neutre. Les épaules au-dessus des hanches. Tu replaces les omoplates dans les poches arrière du pantalon pour bien les stabiliser en bas et en arrière. La nuque est longue, le menton est légèrement rentré vers la poitrine. On place la respiration pilate par les narines dans les côtes. Le nombril ne monte plus sur l'inspiration et à l'expire. T'aspires le ventre, tu creuses le nombril, tu le remontes jusqu'au sommet de la tête. Tu centres, engage le périnée, le transverse. La respiration, par les narines à l'inspire, par le fond de la gorge à l'expire. On garde cette posture. Inspire, à l'expire, mets les bras au-dessus de la tête, à l'inspire, ouvre par l'extérieur. Et encore, expire pour monter, sans que les côtes s'abaissent, et tu allonges la colonne, à l'inspire, ouvre doucement par le côté. Pense toujours à grandir, les fesses qui repoussent le sol, le sommet de la tête qui repousse le plafond. Plus la colonne sera longue, plus tu pourras rentrer facilement le ventre. À l'inspire, tu gardes les deux bras ouverts sur le côté, replace bien la stabilité des omoplates. À l'expire, amène une inclinaison à droite. Inspire, amène au centre. Et à l'expire, arrondis le haut du dos par-dessus le nombril, creuse le ventre. Inspire, ramène. À l'expire, inclinaison gauche. Et expire, rond devant. Étire bas du dos. Garde les deux fesses ancrées au sol. Le sacrum est immobile. C'est que les lombaires qui s'étirent. Expire. Sur le côté ici, sans s'écraser sur la taille. Et expire. Par-dessus le ventre. Comme si tu avais envie de vomir. Remonte le nombril. Et inspire haut. Retrouve de la longueur jusqu'au sommet de la tête. Expire. Incline en gardant cette longueur. Un gros ballon au niveau du ventre. Tu veux faire la forme du ballon avec le dos. Et inspire. Et expire. Dernière fois. Comme si tu avais des pics à brochettes de chaque côté de la taille ici. On essaie de ne pas s'écraser. Et expire. Tu ramènes doucement les mains derrière, le bout des doigts près des fesses juste pour t'aider à te grandir, à allonger un peu plus le dos. Referme les deux jambes parallèles. À l'expire, t'allonges la jambe gauche, pied flex et pointe les orteils, inspire pour ramener. Et tu changes, expire. Et pointe, inspire. Gardez la longueur dans le dos, le bas du dos étiré et contractez au maximum votre jambe. L'arrière du genou ne touche pas le sol.
Les talons se décollent. Si tu tends à fond sur le flex, pointe. Inspire, ramène par le centre. Vous avez toujours le périnée et le transverse engagé. Essaye de te grandir à chaque fois un peu plus quand tu ramènes la jambe. Une dernière fois, à gauche, à droite. Replace les pieds contre pieds. Relâche une dernière fois vers l'intérieur. Tranquillement, les épaules, les hanches. Déroule la colonne à la fin du souffle. Replace la position neutre du bassin et le centrage. Périnée transverse. On replace les deux bras devant. Sans entraîner les épaules en avant. Gardez-les toujours rangées vers l'arrière. À l'expire, tu amènes le coude droit derrière. Sans bouger les épaules. Et à l'inspire, tu ramènes. Échange. Et inspire. L'autre bras donne toujours la direction vers l'avant. Vos deux épaules restent l'une à côté de l'autre. Le coude part en arrière sans faire que l'épaule monte, gardez l'épaule basse, c'est juste le coude qui s'étire. Et n'allez pas chercher avec l'autre bras devant, il s'étire sans tirer sur l'épaule avec. Dernière fois de chaque. Et relâche, je vais placer les mains sous les tibias, enroule et relâche complètement à l'intérieur. Vous allongez les deux jambes devant vous, largeur un peu plus large que le bassin. Vous relâchez doucement en avant et tu viens croiser. Main gauche à l'extérieur du pied droit et bras droit derrière. On est en stretch, relâche complètement le ventre, les cuisses. Cherche à allonger la colonne sur l'inspire et relâche sur l'expire. Même chose de l'autre côté. Reviens au centre. Tu te places à l'avant du tapis. Les talons sont ancrés au sol, les deux jambes bien serrées. On continue avec le spine twist, option tir à l'arc. Libérez bien les ischions pour qu'ils soient bien appuyés au sol. Si cette position pour vous est difficile à tenir, vous pouvez rouler le tapis sous les fesses de façon à monter un tout petit peu plus le bassin, comme ceci. Ça va vous aider à basculer et un petit peu mieux fixer la position. N'hésitez pas à adapter, cherchez à être confortable, solide au sol. Pieds pointés vers l'avant, talons appuyés au sol. Replace bassin neutre, centrage, deux bras vers l'avant, le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure avec les bras. Coude vers l'arrière, sauf que vous rajoutez un twist du buste et du regard vers l'arrière. Expire. Et inspire pour revenir. Expire. Contracte volontairement l'oblique pour engager la rotation. À l'inspire, tu ramènes. Et on le fait 5 fois de chaque côté. Tu peux laisser aller le regard vers le bras. L'autre bras s'étire en avant sans tirer sur l'épaule. Sentez l'engagement dans la taille. Faites le mouvement lentement. Vos talons sont bien appuyés au sol sans se décaler. Et le dernier. Les cuisses sont contractées, les pointes de pied sont allongées. On va enchaîner avec le rolling like a ball. Vous asseyez bien à l'avant de votre tapis. On va rouler sur l'arrière ici.
Inspire, engage le centre. À l'expire, tu cherches l'équilibre fessier. On le fait jambes serrées, complètement serrées, cuisses, genoux, chevilles collées. Et vous attrapez sous les talons pour ne pas vous accrocher, vous agripper aux pieds. Garde la stabilité des omoplates. On regarde vers le pubis. On engage le centrage. Tu roules à l'inspire. Tu reviens sur l'expire. Retrouve l'équilibre fessier à chaque fois. Et tu le fais 7 fois en essayant de garder toujours la même distance entre les talons et les fesses, entre les cuisses et le buste. Toujours en essayant de ne pas tirer sur les épaules et vous roulez au maximum sur le haut des omoplates sans rouler sur les cervicales. Engage bien le centre et pense à appuyer les vertèbres au sol à l'aller comme au retour. On roule à l'inspire, on revient à l'expire. Vous terminez vos 7 fois. Puis vous déroulez complètement le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Bras le long du corps, vous ramenez les talons sous les genoux, pied largeur du bassin. Essayez de retrouver le placement neutre du bassin. Pour vous donner une petite indication ici, placement neutre, imaginez que l'os du pubis et le haut des crêtes iliaques, ça fasse comme une flèche qui doit rester parallèle à votre tapis. Si la flèche pointe vers le haut, c'est que vous êtes en rétroversion, vous effacez trop la congrue. À l'inverse, si la flèche pointe vers le bas, vous êtes en antéversion. On essaie de rester en neutre, parallèle au tapis. Replacez les bras et on enchaîne le single leg stretch. Recentrez bassin neutre, périnée transverse à l'expire. Jambe droite en chaise renversée, le genou juste au-dessus de la hanche, le talon juste en face du genou. Inspire, stabilise, à l'expire la deuxième jambe. On amène la préparation abdominale. Deux bras étirés parallèles au sol, omoplate basse. Respiration dans les côtes. Les deux mains se placent sur la jambe gauche, vous allongez la jambe droite. À l'inspire, vous changez les deux jambes en même temps. Les mains se placent sur le genou droit, juste à l'avant du genou. Une jambe inspire, une jambe expire. Allongez fort les cuisses. Contractez-les au maximum. Soulevez le haut des omoplates. Essayez de garder les épaules stables. C'est les coudes qui se déplacent d'une jambe à l'autre. Et mettez de la résistance dans le mouvement. Comme si c'était dur d'allonger votre jambe. Comme si la cheville était retenue par un élastique. Le nombril est creusé. Remontez sous les côtes. Vous faites 7 fois de chaque côté. Puis ramène. Expire, buste au sol. Inspire, stabilise. Expire, redescend. Les deux jambes. On reprend une grande respiration. On retrouve le centrage. Et à la prochaine expire, on installe le 100 avec la préparation abdominale. Et expire. 5 petits battements. 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Les mouvements se font à partir des épaules. Les coudes sont toniques, allongés, étirés. Le ventre est creux. Conservez bien la position chaise renversée. Gardez la longueur dans la colonne, un grand C, le ventre aspiré. On garde les épaules, la tête fixe. Une dernière série. Inspire. Et expire. Puis vous allongez la jambe et le bras le plus proche de moi pour vous installer sur le côté. Et on va
enchaîner avec le side kick. Tout de suite ici, replacez les omoplates, le bras long en diagonale de votre tapis. Vous avez la tête soit soulevée dans le prolongement du buste, soit relâchée sur le bras. La taille n'est pas posée au sol, on laisse de l'espace, on engage bien le centre. On va placer les deux jambes en pilates position. Talons qui se joignent ici. Tournez les cuisses, les jambes vers l'extérieur, rotation externe. À l'inspire, engagez périnée transverse. À l'expire, vous soulevez les deux jambes largeur bassin. On y va pour les ciseaux en position pilates position. Inspire, la jambe du haut avance. À l'expire, tu échanges les deux jambes à mi-chemin. Trouve l'étirement dans la colonne. Essaye d'être stable, de conserver le bassin neutre. Vous faites 7 fois le mouvement, jambe devant plus derrière. Si vous voulez tenter avec la main sur la cuisse. Si la position neutre du bassin peut être maintenue, si vous arrivez à conserver l'équilibre. Les talons se croisent au niveau de l'alignement du corps, à mi-chemin. Continuez de repousser la tête loin des orteils. Vos deux jambes sont étirées au maximum. Imaginez une grande paire de ciseaux. Sentez également l'intérieur des cuisses, les adducteurs qui travaillent. Et un dernier. Quand vous avez fait les 7 fois, vous mettez les deux jambes ici sur l'inspire. À l'expire, tu reviens. On passe face au sol. Petite transition avec le leg pull prone. On va faire l'option avancée sur les mains. Vous repoussez, vous placez sur le 4 pattes. Les mains sous les épaules, bien appuyées au sol. Inspire, engage le centre, hanche en avant, accroche les orteils, à l'expire, tu replaces les hanches en planche. Recentrez, essayez de retrouver la position bassin neutre. C'est le centre qui tient la position du bassin, essayez de trouver de la légèreté sur vos bras. Pensez que vos omoplates sont vers le bas et vers l'arrière. À l'expire, tu as mis la jambe droite derrière. Sans bouger le bassin, à l'inspire, tu ramènes et t'alternes. On va enchaîner 4 fois de chaque côté. Cherchez de la longueur dans la colonne, de la légèreté dans les bras. Faites des petits mouvements contrôlés. Allez, le dernier. On vient allonger la jambe jusqu'au bout des orteils. Et ramène. Expire. Fesse vers l'arrière, on relâche. Vous déroulez le dos. Et vous installez. De l'autre côté, jambes devant vous pour le side kick, ciseau, position pilate de l'autre côté. On replace le bras du dessous bien long, les talons sont joints. Aspirez le centre, le bout des doigts juste devant la poitrine pour la stabilité si besoin. La tête dans le prolongement de la colonne, la taille bien montée en dessous. On engage périnée transverse à l'expire. Les deux jambes viennent se placer, largeur bassin. Et inspire, jambe du haut qui avance, jambe du dessous qui recule, tire fort sur les orteils. À l'expire, tu changes. Talons vers l'intérieur, cuisse ouverte vers l'extérieur. On en appuie sur l'épaule, sur l'os de la hanche, sans que la taille s'écrase au sol. Cette fois, la jambe du haut, devant plus derrière. Si tu veux tenter avec la main ici sur la couture du pantalon pour un peu plus de travail. Vérifiez que vos deux hanches restent l'une au-dessus de l'autre. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre.
Vous êtes coincé entre deux murs. Quand vous avez fait 7 fois le mouvement, ramenez les deux jambes ensemble, inspire, expire pour relâcher. Et on se replace face au sol. On repousse avec les deux mains, fesses vers l'arrière. On replace le poids sur les pieds. Et on déroule pour engager le push-up. On fait l'option jambe tendue, option plus avancée. Vous recentrez, vous engagez bien la colonne vertébrale longue. À l'expire, on enroule au-dessus du nombril, le ventre est creusé. Imaginez que vous avez un mur derrière vous pour ne pas pousser les fesses en arrière. Si on expire jusqu'en bas, à l'inspire, t'avances avec les mains en essayant de bouger le moins possible le bassin. À l'expire, tu stabilises. Replace les omoplates, la nuque longue. Inspire, descend de moitié. Expire, repousse d'un bloc. Inspire, tu ramènes les mains vers les pieds, c'est le coccyx qui remonte vers le plafond. À expire, tu déroules, réempile les vertèbres les unes au-dessus des autres. Inspire, retrouve la position neutre et expire, tu repars. Inspire, on place les mains un peu plus larges que ses épaules, expire, stabilise. On écoute légèrement sur l'extérieur à l'inspire. À l'expire, tu repousses. Inspire, le coccyx vers le plafond, garde le centrage. À l'expire, tu déroules. Et encore deux fois. Sur la dernière pompe, pompe triceps, les coudes collés contre les côtes. Les mains restent sous les épaules. Expire, stabilise. Coude vers l'arrière. Et expire. On déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et le dernier, on enroule jusqu'en bas et on vient se placer à plat ventre avec une pompe. Et on enchaîne avec le single leg kick. Ici, pour intensifier le mouvement, vous allez placer vos poings ensemble l'un contre l'autre. Les coudes sur la ligne de vos épaules. Vous repoussez le sol. Que la poitrine se décolle des poings. Vous activez le centre, vous avez les jambes ouvertes, parallèles, largeur bassin, les jambes hyper tendues, les genoux, les rotules se soulèvent du sol. Vous activez bassin neutre, le centrage, l'os du pubis est appuyé très fort dans le sol et vous remontez le nombril comme si vous vouliez qu'une petite araignée puisse passer juste sous votre nombril. Poussez les poings ensemble, active la longueur dans le dos et sur l'expire, une flexion, pointe, flex, sur l'inspire, allongez loin. Les fessiers sont hyper tendus, les deux jambes sont hyper tendues. 7 fois de chaque côté. Vous mettez de la résistance, imaginez qu'un élastique retient votre cheville. Imaginez que vous voulez écraser une noix à l'arrière de votre genou. Pensez vraiment à l'os du pubis appuyé dans le tapis, à la petite araignée qui veut passer sous le nombril. Repoussez dans vos bras, solide. À chaque fois que vous allongez la jambe, vous voulez toucher le mur derrière vous. Faites le mouvement lent et contrôlé avec de la résistance, avec de l'engagement musculaire.
terminer tranquillement vos 7 fois. Puis vous ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. À l'expire, relâchez l'arrière du corps, fesses vers l'arrière. Puis vous ramenez la position plat ventre. On enchaîne le swing dive, option plus avancée. Avant de partir ici, vous pouvez avancer un petit peu les mains à l'avant du tapis et essayer de voir à quel endroit c'est mieux pour vous de les placer pour pouvoir tendre les bras en gardant de la longueur dans votre dos. Donc pas trop près, sinon vous allez être complètement cambré vers l'arrière. Trouvez de la longueur, on est un peu à l'avant des épaules. On se replace ici, engagement du centre, le périnée bien engagé, le bassin en neutre. Vos jambes s'écartent largeur tapis, pieds bien pointés, toujours les rotules soulevées du sol. Fessiers très engagés, vous engagez l'os du pubis au sol, vous remontez le centre. À l'inspire, trouve la longueur dans la colonne. À l'expire, tu serres les fessiers, tu pousses l'os du pubis dans le tapis. C'est le haut du buste qui s'étire et à la fin seulement, tu pousses avec les bras. À l'inspire, tu ramènes. À l'expire, c'est les deux jambes qui s'élèvent et tirent comme si quelqu'un te tirait sur les chevilles. Inspire, replace. Et encore. Important que ce soit d'abord le buste qui monte avant l'engagement des bras. On est léger sur les mains, on monte avec la force du dos. Bassin bien en neutre, pubis appuyé au sol, fessiers serrés. Protégez le bas du dos. À l'expire, tu tires fort, tu veux décrocher les jambes de ton bassin. Vous le faites 7 fois. Garde la nuque dans le prolongement du dos. La nuque toujours longue, les épaules toujours basses. Quand vous avez terminé les 7 fois, main de chaque côté de la poitrine. Expire une dernière fois en arrière, relâche l'arrière du corps. Et on va enchaîner avec le side bend. Vous allez venir vous placer ici sur le tapis. La main un peu plus loin que votre épaule. Le pied ici au milieu du tapis et l'autre vient se placer derrière. Bras sur le genou. Engagez le centre. Les fesses sont au milieu entre le talon et la main. Inspire, engage le centre. Tu montes sur l'expiration. Pousse dans le pied dans la main vers le bas. À l'inspire, tu ramènes. Effleure le sol avec les fessiers, tu repars. Stabilise les deux hanches face à moi. Active l'oblique en dessous. Garde les épaules loin des oreilles. Pousse fort la main dans le sol. Imagine que tu veux plonger au-delà de ta main. Une dernière fois. Reviens fesses au sol, replie les deux jambes et attrape la sirène. Étire tout le côté qui vient de travailler. Et reviens, même chose de l'autre côté. La main au-delà de l'épaule, le pied ici au centre du tapis, main au centre du tapis. Tu viens placer, croiser l'autre cheville derrière. Les fesses sont entre le pied et la main. Le bras ici sur le genou, replace le centre, la longueur dans la colonne. Inspire, tu montes à l'expire, pousse sur le pied, sur la main, vers le bas. Pour stabiliser la posture. Engage l'oblique, les deux hanches face à moi. Inspire pour ramener.
Garde la nuque longue, la tête loin des épaules. Léger sur la descente sans relâcher dans le sol. On effleure le sol puis on repart. Encore deux fois. Et reviens bien poser les fesses au milieu, entre le pied et la main. Espace les deux genoux et la sirène de l'autre côté. Inspire, grandis, expire, étire sur le côté. Et tu reviens au centre. Ici, face à moi, pour enchaîner le kneeling sidekick. Sidekick à genoux. Tu allonges la jambe droite. Sur la ligne du genou, tu viens garder le genou ici au-dessus de ta hanche, juste en dessous de ta hanche plutôt. Ici, le bras sur le côté va se placer sous l'épaule en gardant de la longueur dans la taille. T'engages le centre et tu viens placer l'autre bras au niveau de la tempe. Léger sur le bout des doigts, garde bien le genou juste sous ta hanche. À l'expire, tu montes en engageant la fesse, le centre, à l'inspire, tu reviens. Léger sur le bout des doigts en dessous, on engage la taille, dessus, dessous. Sept fois. Mouvement lent et contrôlé. Le bassin neutre. Oblique activé en dessous, au-dessus. Quand c'est terminé, tu ramènes. Et on s'installe de l'autre côté. Jambe gauche sur la ligne du genou, pied pointé au sol. Étire au maximum, effleure le sol avec le bout des doigts, garde bien la hanche au-dessus du genou. Et tu replaces l'autre bras au niveau de la tempe. Tu te grandis au maximum. Et à l'expire, tu montes, à l'inspire, tu descends. Petite hauteur, grande stabilité. Et quand tu as fait les 7, tu ramènes. Et tu viens te replacer à nouveau à l'avant du tapis. On continue avec le roll-up, option demi-tour du monde. On va le faire jambes tendues, si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez garder les genoux souples ou un petit peu plus fléchis, bien plat au sol. On replace la position en appui fessier, les omoplates basses. À l'expiration, tu engages le centre, tu creuses le nombril, tu gardes les épaules au-dessus du bassin. Et tu vas venir déposer tout ton dos au sol d'un côté. Sur la gouttière de la colonne vertébrale, la fesse opposée se soulève légèrement. À l'inspiration, tu ramènes les bras au centre, autour des joues. Tu reviens sur l'expiration au milieu. Pour replacer le spine stretch en avant et à l'inspire, tu replaces l'alignement. La même chose de l'autre côté. Tire sur les deux jambes, à l'expire, tu viens déposer tout le dos dans le sol sur le côté. Donc la fesse opposée se soulève légèrement. On dépose sur la gouttière de la colonne vertébrale. Tu reviens au centre. On appuie sur les omoplates, tête au sol. À l'expire, t'appuies vertèbre dans le sol. Et t'inspires pour remonter. Demi-tour du monde. On circule autour du coccyx. Sur le côté.
Si c'est pas possible d'aller jusqu'au bout ici, tu reviens sur l'inspire. Et à l'expire, t'enroules. Spine stretch. Tu gardes les fesses ancrées au sol et tire le haut du dos. Garde la stabilité des omoplates. À l'inspire, tu réempiles la colonne à la verticale. Expire, même chose de l'autre côté. On essaie d'aller encore plus loin. On essaie de le faire 4 fois de chaque côté. Prends le temps de bien appuyer toutes les vertèbres dans le tapis pour remonter. Essaye de garder les deux talons l'un à côté de l'autre. Me sens toujours engagé. Les bras restent parallèles aux cuisses. Vous terminez vos 4 fois. Et quand c'est terminé, vous venez dérouler tout doucement le dos dans le sol par le milieu en appuyant toutes les vertèbres dans le tapis. Ramenez le dos au sol tranquillement, pieds parallèles. On appuie sur le sacrum, les épaules au sol. Sur le dos ici, position neutre du bassin, on enchaîne le shoulder bridge. Recentrer la position à l'expire, tu enroules coccyx vers le plafond, tu viens placer le bassin entre les genoux et les épaules. À l'inspire, tu amènes la jambe droite au-dessus de la hanche, à l'expire, tu replaces et alterne. Jambe gauche inspire, à l'expire, tu ramènes. Déroule le dos sur l'inspire, vertèbre après vertèbre, et tu repars sur l'expire. Inspire, jambe droite, expire, replace, inspire, jambe gauche, expire, ramène. Encore une fois de chaque côté. Inspire pour dérouler. Imprime chaque vertèbre dans le sol. Et expire. On le fait encore 2 fois. Imprimez bien le dos dans le sol à l'aller comme au retour. On décolle bas du dos d'abord à l'aller. Je pense que c'est le centre qui tient ton bassin. Appuie sur les épaules, léger sur les talons. On enchaîne avec le one leg circle. Place bassin neutre à l'expire. T'allonges les deux jambes ici. La jambe du haut pointée vers le plafond, la jambe du dessous pointée dans le sol. Garde le pied pointé au-dessus du bassin. Le bassin est placé, placement neutre. Recentre, périnée transverse. Dessine des cercles avec la pointe de pied. Si c'est difficile de garder la jambe tendue, tu peux fléchir légèrement le genou. Cercle vers l'intérieur à l'inspire, vers l'extérieur à l'expire. On essaye de ne pas rouler sur le bassin de droite à gauche. On
cercles lents, on trouve la mobilité dans la hanche, on cherche à décrocher la jambe de l'articulation et tire vers le haut au maximum, l'autre jambe bien appuyée au sol. Quand tu as fait 5 cercles dans un sens, tu fais la même chose dans l'autre sens, même respiration, expire extérieur, inspire intérieur. Inspire, amène deux jambes pliées, expire, tu changes. Soit jambes tendues, soit genoux souples. Le pied bien étiré au-dessus de la hanche, replace le bassin neutre. Et on repart, inspire intérieur, expire extérieur. Cinq cercles dans un sens. Cercle lent et contrôlé, sans perdre le neutre du bassin. Et dans l'autre sens ensuite, expire extérieur, toujours inspire intérieur. Inspire. Et tu replaces sur l'expire. Tu amènes doucement les deux jambes tendues devant toi. Jambes serrées, les bras vers l'arrière. On enchaîne avec le leg pull supine. Ici, essaye de voir jusqu'où tu peux placer tes mains. Les doigts sont vers l'avant. Les doigts vers les fesses, vers les talons. On engage le centrage. Tu montes sur l'expiration en gardant le bassin neutre, les jambes sont serrées, pieds pointés. Tu reviens sur l'inspiration en pliant un petit peu les coudes, c'est le coccyx qui revient vers le bas. Tu casses l'angle à partir de la hanche et tu repars. Inspire pour revenir et expire. On le fait 5 fois. Active l'arrière des jambes. Donne de la longueur à la colonne. Pousse fort les talons dans le tapis. Et quand vous avez terminé, 5 fois, on termine avec le spine stretch. Ramenez vos deux jambes ouvertes, largeur bassin. Pieds flex, reculez les fessiers, dégagez bien les ischions, jambes, les ischions à nouveau, droite, gauche. Vos bras sont placés, largeur épaule. Trouvez l'alignement dans la colonne, la stabilité des omoplates. On va chercher à étirer tout le haut du dos et les lombaires en passant par-dessus son nombril. Faut pas que le sacrum ici bouge ni que les fesses se soulèvent. C'est pas un étirement des ischio-jambiers, c'est vraiment un étirement des lombaires et de toute la colonne vertébrale vers l'avant. Inspire, engage le centre. À l'expire, creuse le ventre, essaie de passer par-dessus ton nombril. Garde les omoplates basses et à l'inspire, tu ramènes. Et repars à l'expire, par-dessus le ventre comme si tu avais envie de vomir. Donne toujours de la longueur à la colonne vertébrale. Les bras restent parallèles aux jambes. Pense toujours à l'image du geyser, du jet d'eau qui monte pour courber ensuite. Et
éviter de ne pas trop tirer sur les épaules, garder la stabilité des omoplates vers les poches arrière du pantalon. Reviens tout doucement. Terminez tranquillement sur le dos. Attrapez l'avant des genoux. Déroulez complètement la colonne, le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Gardez la jambe droite sur la poitrine. Allongez la jambe gauche au sol. Inspire, allonge le dos sur l'expire. Creuse le ventre et arrondis front vers le genou. Inspire, ramène. Même chose de l'autre côté. À l'expire, creuse le ventre. Et arrondis front vers le genou. Inspire, ramène. Et tu remets les deux genoux sur la poitrine. Tu viens te placer en petite boule sur le côté, dos rond. Et tu vas allonger tranquillement la jambe du dessus. Pied flex. Ramène le front vers le genou. Ramène tout doucement, viens attraper la cheville, tu replaces le bras du dessous et t'étires la cuisse, talon dans la fesse. La cuisse du dessus ici est parallèle au sol, le talon caché derrière la fesse. Tu ouvres doucement genou vers l'épaule et tu viens développer la jambe vers le plafond. Suffisamment souple, t'essaies d'intensifier l'étirement en éloignant l'ischion du talon. Et ramène doucement, genou l'un sur l'autre. Referme le bras du dessous, attrape le genou du dessus et tu ouvres l'autre bras à l'arrière sur la ligne de tes épaules. Relâche la tête à l'opposé des genoux. Tu ramènes tranquillement, passe par le côté pour revenir en position assise. Tirez à nouveau vers l'avant, la tête au niveau des talons, relâche le haut du corps. Déroule le dos, inspire, montez bras gauche, expire, penche vers la droite. Et de l'autre côté, inspire, expire. Place les jambes, talons sous les fesses et tu viens t'installer de l'autre côté en petite boule, les deux genoux fléchis, arrondis le dos, front vers le genou, allonge la jambe du dessus. Et tu ramènes tranquillement, replace le bras du dessous et tire talon dans la fesse, allonge la taille. La cuisse bien parallèle au sol au-dessus. Garde le nombril légèrement aspiré pour ne pas creuser le bas du dos et étire la cuisse. Ramène ensuite le genou vers l'épaule, développe la jambe vers le plafond. Pied flex et éloigne un peu plus l'ischion du talon pour accentuer l'étirement. Détendez l'épaule, coude fléchi. Tu ramènes doucement, fléchis, tu refermes les deux genoux l'un sur l'autre, attrape le genou du dessus avec la main du dessous et ouvre l'autre bras loin derrière sur la ligne des épaules pour relâcher complètement l'épaule au sol, les genoux dans le sol, étire. Tu reviens tranquillement par le côté. Terminé ici.
en position assise et relâche une dernière fois à l'intérieur de tes deux jambes comme on a commencé. Détendez bien le bas du ventre, le périnée. Prenez le temps de dérouler doucement la colonne vertébrale sur un souffle. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.